faire de l'impôt un outil au service de la redistribution des richesses. C'est le message que porte la France insoumise pour les européennes. Ces trois nouvelles venues de la politique sont toutes originaires de Bonifacio. Manon Aubry a travaillé dans une ONG luttant contre l'évasion fiscale. Faut-il y voir une récupération d'une thématique mise en avant par les Gilets jaunes ? Réponse. Moi, ça fait des années que je travaille sur le sujet et on voit que la politique d'Emmanuel Macron a largement accentué l'injustice fiscale et c'est une colère presque légitime et logique qui s'exprime depuis quelques semaines dans les rues partout en France. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon veut transformer les européennes en référendum anti-Macron. L'objectif est de sortir de la règle de non-dépassement des 3% de déficit public pour une Europe plus sociale. Et les filles plaident également pour une autre politique agricole commune. Nous, on propose à l'inverse une agriculture familiale, paysanne, au maximum orientée vers le bio, qui permette à la fois aux paysans de vivre dignement de leur travail, ce qui n'est absolument pas le cas maintenant, à l'environnement d'être protégé et également aux consommateurs de pouvoir s'alimenter sainement. Favorable au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, si les électeurs le souhaitent, LFI n'est pas hostile à l'autonomie de la Corse.